an mein Mädchen, richtig von Herzen, elfische Augen, hast wie zwei Käsen, und wo sie spielen, schreiben das Fell. Und wie so lustig, ganzes Leben. Als Länder und Seen, nach Wolken und Zug, als Länder und Seen, nach Wolken und Zug, die Schimmer zu sehen, die Schimmer im Flug. Die Schimmer zu sehen, die Schimmer im Flug. Die Schimmer zu sehen, die Schimmer im Flug. Ce programme met en regard trois grands compositeurs de la période allemande, de la période romantique allemande, Mendelssohn, Schumann et Brahms, à travers des chants d'amour. Voilà, la passion amoureuse, l'histoire de la musique à travers eux est très forte, et même l'histoire humaine, quand on connaît voilà, les relations entre Mendelssohn et Schumann, Schumann qui disait de Mendelssohn qu'il était le Mozart du 19e, Brahms qui était le protégé de Schumann, enfin voilà, ça m'a paru très adéquat de proposer une suite de leaders de ces trois compositeurs pour voir et l'évolution musicale et leur manière différente de traiter la même passion amoureuse. Moi je trouve ça magnifique, très beau concert, très belle voix, vraiment c'est un ravissement, hein, sincèrement. J'ai découvert pour la première fois Liebeslieder Walzer pour 20 chanteurs, là il y avait 21 chanteurs normalement. Non, ils sont très bons. J'ai beaucoup apprécié la fin avec Brahms et accompagné du piano. Ça prenait encore plus de vie, quoi, je dois dire. C'était vraiment très, très, très agréable. C'est un chœur qui est plein de promesses et qui c'est un très bon chœur. Moi, je suis heureux d'inscrire à ma liste des chœurs prestigieux celui-ci. Ça aurait été dommage de ne pas y aller, hein. Vraiment très très bien. Autant les pianistes que les chœurs, enfin. On a toujours l'impression de redécouvrir ces œuvres qui sont pas forcément connues de tout le monde d'ailleurs. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir jouer avec Mathieu et le chœur, que j'aime beaucoup. Je pense qu'on a passé une excellente après-midi, que c'était un régal alors que je ne comprends pas l'allemand. C'est de la musique géniale, avec des textes sublimes de grands poètes. Et c'est très intéressant aussi de voir comment la subtilité du texte littéraire est mise en musique.